Allez, let's go. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 22 mars. Il est 21h03, c'est le printemps. Il paraît, il a fait beau toute la semaine, comme par hasard, 10 minutes avant le live, il se met à pleuvoir, c'est un bonheur. J'étais à deux doigts de l'annuler ce live, hein, ce soir, je vous cache pas. Entre mon état de fatigue, le coup du nez qui s'est mis à saigner là quelques minutes avant, enfin une petite demi-heure avant. Hein. Ah, et puis le mood un peu là, à voir les annonces, les news, les infos ce soir, c'est pas fou. Bon, bref, on va quand même faire un petit peu, ce sera peut-être un peu plus petit, un peu plus court, je pense. On va pas aller très loin ce soir, mais j'aimerais quand même arriver au moins à faire un truc en ligne de commande, même si je vais pas au bout de l'automatisation de ce que je veux faire. Donc, comme je disais, ce soir, on va parler de Porthener. Porthener, qu'est-ce que c'est? C'est une interface de gestion pour vos installations Docker monoserveur, Docker Swarm, Kubernetes, pour des conteneurs, quoi, de manière générale. C'est un outil que j'avais déjà utilisé il y a très longtemps. Je l'avais même installé à l'époque où j'utilisais du Docker Swarm. Si je dis pas de bêtises, à l'époque, quand est-ce que j'avais parlé de Swarm? Oh, ça doit remonter à très beaucoup trop loin en fait. Hein. Oui, bah la vache. Ça remonte à 2017. Voilà. Donc autant dire que ça ne rajeunit pas. La première fois que j'ai parlé, du coup, ouais, donc c'est ça, c'était sur le blog. C'était sur le blog et c'était par rapport au. C'était après ma première expérience. De... Alors, je vais vous montrer ça, c'est où? Desktop Live, voilà, transition. J'en ai parlé à l'époque. Ah oui, j'ai oublié le zoom. Ah, punaise. J'ai rien préparé, c'est un enfer. Hop. 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 Voilà, comme ça, je pense que vous verrez mieux. Effectivement, ça devrait aller mieux. Donc voilà, c'était en décembre 2017. Et... Et donc voilà, je m'étais un peu chauffé à essayer de... À migrer en fait Gogs directement, donc après voilà, j'avais fini par quand même pas mal me tabasser un petit peu avec aussi les problématiques liées à NFS, notamment avec le à l'époque le NFS V3 V4 que j'avais fait à la main. Particulièrement bricolé à l'époque, enfin bref. Le temps a passé, depuis j'ai remplacé Swarm par Kubernetes, du coup j'ai un peu laissé tomber ce truc là, et mais à l'époque où j'ai découvert Porthener, il ne supportait pas encore Kubernetes, il supportait juste Docker Swarm, ce qui était intéressant parce que du coup ça permettait d'avoir une interface générique qu'on pouvait contacter et qui gérait sur n'importe quel nœud de son cluster Swarm. Là, on est dans un cas différent. On est dans un cas différent. On est sur mon nouveau NAS. Qui est... je l'ai mis à jour cette semaine, je crois. En plus, il y a eu une petite version. C'est ça, je l'ai mis à jour hier. Hop. Ou avant-hier. Ouais, 14h. Ouais, avant-hier. Allez, hop. Et donc sur ce nouveau NAS, qui est, comme j'en ai déjà parlé, avec un processeur plus récent, avec un petit peu plus de RAM aussi qu'avant, et sur lequel j'ai mis du gros stockage, bah en fait, directement via la boutique, je peux installer Docker et Porthener. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre pour déployer des applications dedans. Parce qu'il y a certaines choses que je vais pouvoir installer, typiquement, on a quand même parlé plusieurs fois ici au cours des derniers mois de Nextcloud, qui est en version 28.03 ici. Alors, je ne sais pas à quel point c'est un peu... On voit que c'était mis à jour au 15 mars. Voilà, bon, c'est assez récent.
Donc, je vais potentiellement faire le flemmard et l'installer comme ça directement. Mais il y a des applications qu'il n'y a pas, et notamment une autre dont j'ai parlé plusieurs fois, qui s'appelle Minayo. Et Minayo, il n'y a pas. Mais comme on a Docker, qu'on est sur de l'ARM 64 bits, et bah, et qu'il y a une image. Tiens, j'ai plus le. Parce que c'est pas sur le hub Docker, c'est ça? Oh, je sais plus. Ça paraît bizarre quand même. Mince. Je me souviens plus qui fait Minayo. Mais du coup, à tous les coups, si on fait quoi? Download, on a quoi? Chien, Docker, il nous dit quoi? Non, Minayo, slash Minayo. Hein. Non, pourquoi je le vois pas dans les résultats D'accord, c'est dans Community. Ok, elle est là. Donc voilà, c'est cette image-là, et les images sont multi-arch avec de l'AMD64 pour les Linux, pour les Intel AMD, de l'ARM 64, c'est ce que j'ai. Il y a même encore une build de PowerPC. Alors là, je suis surpris parce que j'ai du mal à voir quel est l'usage récent de cette architecture-là. Parce qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de processeurs qui sortent avec ce truc-là. On est nostalgique des PS3, peut-être, je sais pas. Et alors S390, c'est encore pire. Enfin bref, tout ça pour dire, ce qui nous intéresse le plus, c'est le ARM 64, et ça, c'est nickel. Dans un premier temps, on va pas forcément le tester tout de suite. Déjà, je vais vous montrer un petit peu comment porter nerf, à quoi ça ressemble. Et comment? Et du coup, oh, je vais fermer ça parce que j'en ai pas besoin. Ça, c'est encore autre chose. Et du coup, voilà. Alors, je vous passe l'installation parce qu'en fait, quand vous l'installez la première fois, il va vous demander de créer un compte administrateur avec un mot de passe. D'ailleurs, quand on va dans les users, il y a par défaut une politique sur les mots de passe où c'est 12 caractères minimum. Bon, là, c'est le compte administrateur, donc forcément, il apparaît là. Mais d'ailleurs, il me pré-remplit parce que j'ai enregistré les credentials dans Firefox. Ça, j'aime pas trop, mais bon, bref. Donc, on va déjà voir dans un premier temps graphiquement comment on fait pour déployer. Donc là, par défaut, j'ai qu'un seul environnement, c'est l'environnement local, mais vous pouvez paramétrer d'autres environnements. À partir du moment où vous pouvez contacter le socket Docker si c'est du Docker, une API Kubernetes si c'est un Kubernetes. Vous avez la possibilité aussi de déployer des agents Portainer qui vont et ça va être ces agents-là qui vont remonter les informations dans votre instance dans votre interface Portainer pour gérer vos autres environnements de déploiement. Donc voilà, vous pouvez vraiment, ça va vraiment beaucoup plus loin que juste gérer votre installation locale. Là, en l'occurrence, on a juste besoin de ça, donc je vais pas plus loin. Et je me voyais pas non plus bidouiller, tenter de bidouiller directement la. Oh yes! Allez, comment on fait? C'est quoi ça? Un petit I want to offer viewer. Allez hop, on bannit. Clac, comme ça c'est fait. Et puis je verrai dans mes bannissements celui que je supprime. Hop, et comment je fais pour le signaler? Donc je disais oui. Alors par défaut, alors ce qui est rigolo, c'est que vous voyez, Portainer en plus c'est un container. Hein. Techniquement, il est déployé dans le. Comment? Dans le cluster. Et en fait, on le gère directement via sa page. Ici, où en fait vous avez
Alors, c'est peut-être pas là, ça va être là, ici, comme ça, voilà. Vous avez les applications que vous avez installées. Et hop, le petit grattage d'oreille. Et vous avez un bouton pour activer, désactiver. Donc voilà. Tout simplement, tout bêtement. Et donc, si quand il s'agit de le désactiver, de le réactiver, voilà. Si on fait ça, ça stoppe le conteneur. Si on le réactive, il le redémarre et il repart avec. Et donc sur le NAS, ça se traduit aussi par un dossier dans le volume, dans un volume partagé qui s'appelle Docker. Et toutes les applications qu'on va installer, on va essayer de faire quelque chose là-dedans. Donc voilà. Et donc quand vous avez besoin de déployer un nouveau truc, alors si vous êtes très basique, vous faites add container. Vous mettez le nom, vous dites sur quel registry vous voulez. Si vous avez besoin d'un autre registry, il faut commencer par aller paramétrer les registries qui sont là. Donc typiquement, quand je vais vouloir. Ce ne sera pas le cas pour l'instant, mais si j'avais envie de redéployer mon Fresh RSS sur mon NAS, par exemple, plutôt que dans le cluster Kubernetes, bah, l'image, rappelez-vous, l'image qu'on s'amuse à reconstruire automatiquement, elle est stockée dans Gitti. Donc il faut que je paramètre le registry avec ses credentials pour qu'il aille récupérer les images depuis le registry Docker Hub. Donc nous, on va utiliser le Docker Hub, hein, parce que de toute façon, on ne poule pas non plus 500 images par jour, donc on ne va pas avoir de problème de quota. Mais vous pouvez, voilà, paramétrer vos registries. Vous avez les utilisateurs, les environnements, donc ça, j'en ai déjà parlé. Quand on veut rajouter un environnement, vous voyez, ça peut être du standalone, du Swarm, du Kubernetes. Alors manifestement, on peut même aller se connecter sur Azure Container Interface. Et si vous voulez utiliser une version business, vous pouvez vous connecter à du Nomad. Manifestement, on n'a pas le droit de le faire en tant que gratos, ce qui est à la fois rigolo et puis finalement, bon, tant pis. Et vous pouvez aussi tenter de directement provisionner un cluster, soit sur une infrastructure que vous gérez vous-même, soit un service Kubernetes sur un cloud qui doit être supporté par Portainer. Alors j'imagine que par défaut, ils vont aller proposer les... Comment? Où est-ce que ça va être? J'avais dit... Alors, Kubernetes Features. Voilà, KS Cluster. Donc ça supporte Sivo, Linode, DigitalOcean et GCP, AWS, Azure, hein, forcément, comme d'habitude. Donc là, on est sur... Peut-être 6 services américains, bon, quelle surprise. Encore que je dis peut-être une connerie. Mais bon, bref. Nous, de toute façon, on est sur un Docker standalone, on n'en a qu'un, du machin. Pour l'instant, que j'ai des utilisateurs, j'ai que admin, parce que c'est le seul que j'ai créé, et puis honnêtement, j'ai un peu la flemme d'en créer un autre. On va en créer un deuxième, de toute façon, parce que je veux quand même pouvoir créer à terme. Un pipeline de déploiement en fait de mon Minayo qui va gérer le fait que je mette un manifeste à jour, puisque on va le voir en fait pour déployer dans le cluster, on va utiliser le concept de stack en fait. Donc, comme je disais, quand vous avez des besoins basiques, vous dites tout de suite qui a accès au container, enfin qui peut manipuler le container, vous dites comment il s'appelle, vous mettez le nom de l'image, le tag. Si vous devez pouler l'image à chaque fois ou pas, vous déclarez. Vous pouvez déclarer les ports que vous voulez publier. Vous dites quel port vous voulez sur votre cluster et à quel port ça enfin sur votre serveur et à quel port ça correspond au niveau du conteneur. Puis après, vous pouvez rajouter des commandes par défaut. Vous pouvez travailler sur un, vous pouvez choisir un dossier, etc. Et vous avez aussi la notion de volume. Donc vous pouvez créer un volume. Donc là, manifestement, il faut aller créer les volumes avant. Donc vous créez un volume. Et après, donc si on fait ça, on fait quoi? Driver, c'est driver local. Ouais, le volume. Comment on va l'appeler? On n'en aura pas besoin, mais tout de suite, mais on va le... Donc vous pouvez créer le volume.
On va le créer tout de suite pour l'instant. De toute façon, je supprimerai probablement parce que si j'en ai besoin. Vous pouvez choisir que ce soit un volume distant. Alors là, on est directement sur le NAS, hein. L'intérêt, c'est évidemment d'utiliser directement le stockage local. Donc je reste en driver local. Alors après, les options, je ne sais pas trop ce que c'est. On peut créer directement le. Oh! Intéressant, intéressant. Ah, je note, on regardera tout à l'heure, je vais me connecter au. Bah, en fait, je vais retourner voir comment il est lancé le conteneur Portainer. Parce que je veux voir comment est déclaré son volume. Volume, host. Cher Docker Portainer CE data. D'accord. Donc j'ai un slash share. Ah, je savais pas ça. Tiens. Ok. Ok. Il récupère le local time, il récupère le docker.soc, ce qui est normal parce qu'il en a besoin. Et a priori, il y a aussi une histoire de certificat. D'accord. Et il est branché sur le réseau Bridge. Parfait. Et donc, vous pouvez créer directement votre conteneur. C'était comme ça, via ce truc-là, mais c'est un peu simpliste, hein, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à remplir. Mais on est sur un Docker récent, et donc, pour ceux qui manipulent du Docker en local sur leur poste de développement ou même sur des serveurs un peu indépendants, vous avez un système qui, vous avez un utilitaire qui existe depuis pas mal d'années qui s'appelle Docker Compose. Et Docker Compose, ça fait quoi? Ça fait que vous pouvez déclarer tous les services que vous voulez déployer avec les informations, les ports, les volumes, directement dans un fichier YAML qui la plupart du temps s'appelle docker-compose.yaml. Et Docker se sert de ce format-là, donc soit avec le concept de stack. Donc c'est-à-dire, je peux fermer ça, je vais fermer ça aussi, ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus besoin. Ça c'est la page d'accueil, on s'en fout. Et donc si on va dans les stacks, alors là évidemment j'ai rien, mais quand je veux ajouter la stack, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on a plein de choses possibles. Vous avez le fichier YAML déjà sur votre ordi. Vous pouvez l'éditer, vous pouvez l'uploader depuis votre ordi. Vous pouvez créer des templates. Si vous voulez créer plusieurs instances d'un même service. Vous pouvez pointer vers un dépôt Git. Et en lui filant le chemin du Docker Compose, il va directement récupérer toutes les informations du fichier. Et sinon, vous avez l'éditeur où vous pouvez coller, copier-coller directement le contenu le contenu du YAML. Alors, je m'étais gardé de côté un truc. Bah justement, cet exemple-là, en fait, il a été utilisé par l'ami Guillaume, alias Arowan, qui passe parfois ici, pour redéployer son piol chez lui sur un. Il a récupéré un nuke un petit peu ancien, mais qui avait été mis à la retraite par sa boîte et qui est encore complètement fonctionnel. Donc il l'a récupéré pour chez lui, il s'est amusé à installer ça. Et il y avait des soucis avec, et du coup, moi je me suis amusé je me dis, bah tiens, si ça se trouve. Il testait Portainer, j'ai dit, si ça se trouve, je vais voir le problème qu'il a. Il avait un souci avec le fait qu'il n'était pas à la dernière version. Et j'ai dit, bah dans ce cas-là, moi je vais. Donne-moi la source de ton truc, et puis je vais tester vite fait. Et du coup, j'ai testé et j'ai déployé du coup un piol directement via ce truc-là. Donc, que fait ce YAML? Il nous déploie un container qui s'appelle piol à partir de l'image officielle. Il me semble que ça, c'est la dernière révision.
On publie le port 53, on publie en TCP et en UDP. Alors là, il faut que je fasse attention parce qu'il faut que je m'assure qu'ils ne sont pas déjà utilisés sur le NAS, parce que là, je dis de reprendre exactement les mêmes. Et de publier l'interface web de Piol sur le port 7300 de mon NAS. Donc on va quand même aller vérifier tout ça. Hein. Je ne sais pas si je peux le faire via l'interface du. J'ai fait quoi? J'avais ça. Non, on n'a pas assez d'infos là-dessus. Hein. On n'a pas assez d'infos. Si je vais dans le moniteur d'activité, je crois que je vais pas avoir assez, parce que là on a juste la partie réseau. La vue d'ensemble, c'est juste des graphes d'activité. Le CPU, pour l'instant, il en est là. Il se tourne les pouces, la mémoire, j'en parle même pas. Et le réseau, il n'y en a pas. Les processus, c'est juste les processus. Et on n'a pas plus que ça. Le volume, il est là. Ok. On va peut-être du coup aller se faire une petite ligne de commande. Hop, on grossit un petit peu le texte. Je regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Je crois. Je sais plus s'il faut que je mette la majuscule ou pas. Ok. Ok. Je suis donc là. Donc le Docker, il est. Mais en fait, si je vais dans slash share. Oh ouais, putain, mais je m'emmerde depuis longtemps, en fait. Je m'emmerde depuis très longtemps, en fait. Plutôt que d'utiliser le slash volume, il faudrait que j'utilise le slash share, en fait. Je suis vraiment con. Ok. Alors, du coup, est-ce que c'est installé, ça? Bah oui, bah non. Bon. J'ai un netstat. Parfait. Hop là, voilà, comme ça je vois un peu les processus qui tournent. Ok, donc on a l'interface web du NAS qui est sur le port 8000, le 8001 pour le HTTPS, le 19943, on a vu que c'est le port pour Portainer. Ouais, ça c'est le genre de truc qui est pas. Voilà. Ensuite, je reviens là. On a d'autres trucs avec USB, IPD, je sais pas trop ce que c'est. SMB, c'est le. Donc on va voir 139 et on doit voir le 445 qui est là, voilà. Donc ça c'est pour les partages CIFS, donc les partages Windows. J'ai un port 2222 ouvert pour le SFTP, je crois. Je crois que j'ai laissé le SFTP d'activer, je sais pas pourquoi. Voilà, le 111 c'est RPC bind, c'est pour NFS. Les RPC là, je sais plus à quoi ils servent. Bon, bref, tout ça pour dire. Et j'ai le 19800 et le 19900, je sais pas trop à quoi ils servent, mais ils sont ouverts. Tout ça pour dire que le 7300 et a priori le port 53 sont libres, on ne les voit pas là, hein, ici. Alors, je peux rajouter le U pour aller voir les UDP en plus. Et au niveau des UDP, on voit qu'on a quelques trucs. On a du NMBD, je sais plus ce que c'est ça. AVI démon, ça c'est pour du zéro con, c'est pour de la découverte automatique de réseau. Ok. Et après, on a juste les RPC bind et. Donc, a priori, on est pépouze, on peut y aller. Je peux m'amuser à déployer ça comme ça. On va finir. Ensuite, des variables d'environnement. On a le web password. On va le laisser à password, puisque de toute façon, on va supprimer le truc aussi vite qu'il a été créé. La time zone, normalement, c'est Europe. Gentil, mais Europe slash Paris. Les volumes. Hop, on met directement. Alors là, c'est marqué slash data slash piol. Slash data slash piol. Il y a deux fois slash data slash piol, ça me fait un peu peur. Et on récupère etc piol, etc DNS mask. Ok. Bon. Et ici, on a les paramètres pour les DNS. On voit le chez Cloudflare là dans l'immédiat, on s'en fout. Donc voilà, une fois qu'on a ça. Ben, pour moi,
Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on peut pas déployer? Parce que j'ai pas mis de nom. Évidemment. Alors, c'est que du minuscule. Eh ben, c'est pas grave, on va mettre du minuscule. Hop. Donc, vous voyez, en fait, il dit bien, la stack va être déployée en utilisant Docker Compose. Donc, vous mettez le fichier, et puis il va faire le taf. Ok, et donc là, si je fais déployer la stack, on va attendre un petit peu, hein, parce que il faut déjà qu'il se l'ingère. Et d'ailleurs, est-ce que je suis dans... J'ai pas de groupe Docker, hein. Sudo Docker container ps-a. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, il est en train de mouliner. Ah, erreur. Alors, pourquoi ça marche plus? Oula. Il a pas gardé l'erreur. Si. Alors, qu'est-ce que c'est ça? You currently, are you sure you want to leave? Oui, vas-y, parce que de toute façon, on n'a rien changé. Donc là, il a commencé à télécharger les trucs. Télécharger les trucs. Fail to register layer. On a un 7XTTR, Security, Capability, Bing, Ping, opération not supported. Alors, c'est très rigolo parce que ça marchait encore la semaine dernière, ça. Pourquoi ça ne marche plus? J'adore l'effet démo, c'est incroyable. Hein. C'est magique. Mais pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Il extrait la bonne, moi. Alors, a priori, oui, hein, mais... Ouais, donc on voit bien, hein, j'ai fait ça le 11 mars. D'ailleurs, il a gardé que les dernières notifications, mais en fait, je l'avais bien déployé. Ouais, mais pas là, on voit bien, hein, stack deployed. On restack deployed, je sais pas pourquoi, puis après, stack removed, image removed. Il avait bien tout, mais là, je sais pas pourquoi, là, il a décidé de craquer son ben. Bon. Ouais, j'ai envie de dire tant pis, c'est pas très grave. On va changer notre fusil d'épaule. Faut que je vous montre ce que j'avais fait. C'est vrai qu'il garde pas la taille du truc. Voilà. En fait, sur l'ancien NAS, pour déployer Minayo, j'avais utilisé ça. Et donc je m'étais fait un. Je m'étais fait une commande Docker run avec le port. Comme le 9000 était utilisé, j'ai publié le 9001. Je peux potentiellement refaire la même, hein, par principe. Mais je le faisais avec. Je le faisais en mode Docker run. Donc là, on va potentiellement se monter une petite stack à la mano en faisant le truc comme ça. Puis on va pas s'embêter avec les détails. Hein. Le service Minayo, container name, Minayo. Si on reprend le truc, je l'ai appelé Minayo 1. Bon, on va l'appeler Minayo 1 pour le principe. Je vais les regarder, on va retourner voir la page du Docker Hub.
Oh, ça régale la musique, hein. Alors, tac 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 tac. Install from source, non. Déploiement recommandation, le réseau. Ce qui m'intéressait, c'était les variables d'environnement. Alors, get checklist, non. Après, on a quoi? Utiliser la ligne de commande, non. On n'en a pas trop besoin pour l'instant. Alors, on en aura peut-être besoin de la ligne de commande, mais pour l'instant, je. Voilà, je suis pas. Parce que là, ils ont beau nous claquer ça comme ça, le problème, c'est qu'on n'a pas d'informations sur. Pour Kubernetes, ils ont développé un opérateur, oui, pourquoi pas. Alors, documentation. Deploy Minayo. Single node, single drive. Oui, parfait. Minayo root user, Minayo root password. Ok. Bon, on va reprendre les mêmes. Après, de toute façon, moi, ce truc-là va dégager. Je le referai proprement comme d'habitude. Hein. L'idée, c'est que là, on fait un premier test à l'arrache. Je garde pas le truc. Alors eux, ils proposent de prendre l'image depuis quay.io. D'accord. Ok. Et on a la console adresse à publier là. D'accord. Bon, je sais pas trop si on a besoin de la console adresse, mais. Alors. Ouais, on va faire ça. Allez. Putain, ça envoie quand même, hein, le. Ah, le 9000, il est utilisé ou pas? Je me souviens plus du coup. Il me semble que oui, hein, et je crois que ça fait chier d'ailleurs. Non, c'est le 8000. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Hop, et dans le désordre, évidemment. Il n'y a pas de 9000. Bon, en vrai, on va faire le. On va passer en AD, hein. On va publier le 9000. Hop. Le 9001. On va publier aussi. C'est du TCP aussi. Hashtag sol. L'environnement, du coup. Alors ça, normalement, vous faites ça un petit peu plus proprement, idéalement avec du secret, avec ce genre de choses. Le truc, c'est que pour le coup, Partener ne supporte pas ce genre de choses, donc voilà. À garder en mémoire, c'est pas. C'est quand même pas fou, on va pas se mentir. Qu'est-ce que j'avais fait du coup? Oui, non, mais l'idée c'était de reprendre le même truc que moi. Je peux faire un truc comme ça ou pas? Si je fais ça, est-ce que vous voyez encore quelque chose là-dedans? Ah
Ah oui, non, ça c'est sur le nouveau, c'est l'ancien serveur, ouais, que je cherchais. Est-ce que ça vous le voyez encore? Vous. Ouais, c'est bon. Hop. Alors. Je vous cache pas que je suis un peu flemmard ce soir. Hein. Mais alors. Demain matin, j'exclus pas de relancer, mais pour un. Je voulais faire un exercice différent parce que. Là, ça fait un an que je travaille à peu près avec le même jeu de scène, etc. Et j'ai envie de tenter des choses. Essayer de trouver un habillage un petit peu plus travaillé, changer un peu les quelques scènes en fait, qui sont un peu basiques, que j'avais monté un peu à l'arrache. Alors, hop, share, slash docker, slash people. Non, pas Pio, Minayo. Je vais y arriver. Quel volume on a besoin? De toute façon, on a juste besoin de ça, hein, de Minayo pour slash data en fait. Hein. Hop. Ouais, il va quand même falloir que je tèche des commentaires, faut pas déconner non plus. Hop, ça normalement ça devrait aller, hein, mais hop. Si tout se passe bien, on va virer le commentaire là, c'est pareil. Hop, ensuite on dégage ça. Restart unless stopped. Ouais, c'est pas mal. Les DNS serveurs, on en a pas besoin. Du coup, je vais quand même m'assurer que le dossier il est créé. Donc ça c'est l'ancien NAS. Ça c'est le nouveau. Slash. Slash docker. Alors déjà le slash share il est en minuscule là. Docker slash minio slash data. Ok. Hop. Sudo mkdir minio. On va faire un petit répé. Hein. Minio slash data. Je vais juste voir un peu à quoi ressemble Portainer. Ouais, c'est ça. Ok. Dans la data de Portainer, j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Ok. Donc on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Et puis on va voir comment il. Alors du coup, on va l'appeler Minayo. Hop. Alors, est-ce qu'il y a quand même des trucs en plus à faire? Je regarde déjà ce que j'avais fait quoi. On a juste ces deux variables là. Le nom, le user, je sais pas pourquoi je l'ai pas mentionné. Donc là, on est comme ça. Il nous dit quoi? Il nous dit juste le volume, Inayo. Ah, le console adresse peut-être. Hop. Dans les options, dans les le reste des commandes. Non, j'ai pas plus que ça. Que je fais. On s'en fout. Hop. Ah d'accord, la console. Ah ouais, ok. Donc le 9000 c'est pour l'interface de base et ensuite le 9001 c'est pour tout ce qui est configuration et tout le bordel.
Ok, je comprends mieux. Alors, on n'a pas forcément besoin du client pour l'instant. Du coup. Dans la syntaxe Docker Compose, comment on fait pour s'assurer de balancer la Docker machin, Compose Release, Compose Spécification. Alors, on n'a pas besoin de build, on n'a pas besoin de Dockerfile. On n'a pas besoin d'arguments. Ça concerne le build, les labels, on n'en a pas besoin. Tout ça, c'est le build aussi. Alors, Redis deploy, config, core, réplica 1, on s'en fout, on n'en a qu'un. Là, on déclare des configs. Ok, là j'avais mis un user, bon, on va pas le après. Donc on peut override la commande. Ok. En mettant, d'accord, on met un commande de point. Hop, j'imagine que on va le rajouter à peu près là-dedans, c'est ça. Un truc genre ici. Commande de point. Et donc là, on peut bourrer directement la commande. Et dans l'image, ils nous disent pour démarrer. On fait serveur slash data. Console adresse 9001. Hop. Voilà, donc on va le tenter comme ça. Je suis où? Je suis là. Je suis là. Hop. Je vois que c'est encore calme ce soir. Donc normalement, c'est censé pouvoir cuire. Ouais, d'ailleurs, je lançais serveur en slash data. Ok, donc c'est ça. Ici, share minio, share docker minio slash data slash data. Il me semble que j'ai pas besoin de mettre de slash là ici. Faire un truc comme ça. Allez hop. Deployment in progress. Là, il a pris la stack. Il me dit que mon Minayo a démarré. Si je vais voir les logs, il nous dit quoi? Standard parity 7 ou 0, c'est normal, on n'a qu'une seule instance. Il nous dit que l'API est sur 9000 et que la web UI est sur 9001. Ok. Formatting first pool one set one drive par set, ok, d'accord, pas de problème. Donc il nous dit que local à 0 machin. Donc il nous dit que si jamais on perd le nœud, on perd les datas. Aucun problème. 2024 Minayo, licence GPU. Les docs sont là pour Linux. Ma foi, il a l'air démarré. On va vérifier. Alors non, du coup, c'est pas 127, puisque c'est 192.168.1.201. Et donc normalement, tada! Et donc là, on peut reprendre les conneries que j'ai foutues. Hop, ici. Alors non, j'ai pas besoin. Non, plus tard. Donc voilà, on a tout. Ah ouais.
Ah ouais. Je peux créer des users, je peux créer des groupes, je peux créer des policies, je vais pouvoir créer des buckets. Ah ouais. Ça, tout ça, je pouvais pas le faire avec l'ancien Minayo sur le vieux NAS. C'était terrible. Et là, je vais pouvoir. Et là, je vais pouvoir. Ah, c'est bien. Les access keys, j'en ai pas. Je vais pouvoir en créer. Oh oui. Oh que oui. Et donc là, voilà. On a donc une stack de déployés. On a les logs. Alors, je vais retourner dans les stacks. Donc j'ai Minayo qui est là. Alors, ownership administrator. En même temps, je suis tout seul, donc je laisse un administrator. Mais voilà. Donc le Minayo, il est déployé. Le Minayo, il est déployé. Alors pour l'instant, bah, il est joignable que du réseau local. Hein. Pour l'instant, ça me va. On peut stopper, on peut supprimer, on peut revenir sur l'éditeur où il va reprendre le contenu. On peut retoucher le contenu. Donc pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. Le seul truc éventuellement, parce qu'en termes de bonne pratique, la pratique veut qu'on mette le tag. Et ça, c'est quelque chose en fait. Le doux rêve qu'on caresse, c'est d'avoir un modèle de manifeste qui référence le tag de l'image. Et où on a un outil type Renovate qui va mettre le manifeste et lancer le déploiement de la mise à jour quand il y a besoin. Voilà. Donc on a ce truc-là qui fonctionne. Parfait. Moi ça me va. On voit qu'on a l'image, on voit qu'on a. Alors du coup, on est sur quelle version là? Minayo Object Store. Licence. Alors, ça va être quoi? Ça va être là. Minayo documentation, vidéo, blog. Manage. On n'a pas une. Y a pas un petit label de. C'est bizarre ça. On voit même pas le numéro de version. Peut-être dans le. Qu'est-ce qu'on a? Configuration. Y a que via les logs dans Partenaire qu'on voit ce qui démarre. Là, il nous dit coucou, machin, GPU, VM, machin, release, on a la 2020 version, release 2024 03 21. Sérieux? Elle date d'hier soir la release. Ok. Ah oui, donc on peut pas faire plus frais, hein. Du coup. Prochaine étape, l'API. Alors, la doc. La doc nous donne les infos sur comment on fait pour manipuler l'API. Donc on va commencer à manipuler l'API. On va jouer. Alors, pour ce soir, on va juste jouer avec curl. Ce que j'ai de plus simple. Voilà. Comme ça, on va pas s'emmerder. Alors, il nous dit, on va créer un nouvel utilisateur. L'utilisateur, on va l'appeler Gitty. Non, on va l'appeler Drone. C'est Drone qui va faire le boulot. Le mot de passe. Ah oui, non, mais il veut que ce soit 12 caractères. Voilà. Ça devrait aller. Il n'est pas administrateur parce qu'on ne veut pas qu'il soit administrateur. On n'a pas d'équipe, donc on s'en bat les couilles. Non, tu ne l'enregistres pas. Donc là, on a deux utilisateurs. On a un drone standard qui est un utilisateur classique. On est en authentification interne parce qu'on n'a pas d'annuaire, on n'a rien de tout ça. Alors, suivant.
Suivant, suivant. Maintenant qu'on a créé l'utilisateur, il nous dit on peut créer l'access token. Ok, on va créer l'access token. Alors, je vais faire un truc, c'est que si je veux manipuler les stacks, je vais modifier l'access control pour dire qu'on peut... Hop, on va mettre restricted. Bah si, j'ai créé un utilisateur, il se fout ma gueule. Il est là. Alors, il a pas eu... Qu'est-ce qu'il a? Il faut rafraîchir, c'est ça? Utilisateur? Non, il est toujours là. Stack. Min.io. Change ownership. Restricted. Ah, il me dit que j'ai pas créé d'utilisateur. Faut ma gueule. Bon, on va mettre public. Hop. Ah, parce que l'environnement local, il est... L'environnement local lui-même, il est peut-être réservé aux administrateurs, c'est ça? J'ai été assez bête pour ça. Environnement. Group name unassigned. Action manage access. Access. Non, bah non, il n'y a même pas de... Ah oui, donc c'est-à-dire qu'en fait, oui, voilà, ok. Create access. Et donc là, si je fais ça maintenant, du coup, je vais dans la stack, min.io. Si je vais dans change ownership, restricted. Voilà, et là, j'ai drone. Ok, hop. Change ownership. Hop, allez, voilà, comme ça. Bah, les administrateurs ont toujours accès, mais du coup, par définition. Mais l'utilisateur drone y a quand même accès, parce que l'idée c'est de le manipuler via drone. Du coup. Ensuite, on avait dit, donc voilà, créer l'utilisateur, ensuite créer l'access token. Alors l'access token, on a vu que c'était. Là-dedans, c'est où? C'est dans quoi? User. Non, settings peut-être, authentification. Non, je ne sais plus. Et là, vous me dites. Il reste un cratère. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Une fois que l'utilisateur a été créé, vous pouvez ajouter un access token. L'access token fournit le même niveau d'accès que machin, d'accord. Ah d'accord, donc faut se connecter avec l'utilisateur. Ok, bon bah ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre cette URL là. Ensuite, on va ouvrir un onglet contextuel, on va foutre quoi? J'ai eu la notification. Incroyable, ça fonctionne. Merci Cyberra pour le follow. Ça, c'est un événement ce soir. C'est la première fois qu'on a un follow en live depuis que les notifications fonctionnent. Alors, donc, on est... Pourquoi je vois... Ah oui, d'accord, pardon, désolé, j'ai le... Ok, j'ai le pied, le support de la caméra qui me cache une petite ligne en haut de l'écran. Et du coup, je vois pas la... Toujours intéressant de voir des gens faire de la techno sur Twitch. Oui, oh ben je suis loin d'être le premier, ni le meilleur d'ailleurs, mais voilà. Ça fait maintenant un an que je fais ça. Et j'avoue que même s'il n'y a pas beaucoup de monde, je m'éclate quand même à bidouiller, donc je continue. Ça y est, je me suis perdu. Oui, donc, alors, il faut qu'on se connecte avec le compte qu'on vient de créer. Alors. Je tape n'importe quoi. Normalement, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc là, je suis connecté. Parfait. Alors, du coup, je fais quoi? Je vais dans My Account, c'est ça? Access Token, voilà. Ok. Donc, on va créer un Access Token. Description... On est sur un niveau d'originalité. Voilà. Alors, on va copier l'access token. Ok. Est-ce que je me le mettrai pas Alors, non. Hop, pitié. Non plus. Si je change pas la fenêtre, ça va pas le faire. Hop.
Hop, on va se le mettre là. Parce que de toute façon, on va commencer à écrire des choses après. Donc voilà. Donc il nous dit, tac, 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 on a créé le token. Tac, tac, on a créé le token. Et après, on peut utiliser le token. Et donc normalement, maintenant, à partir de maintenant, on peut interroger l'API en utilisant un header qui s'appelle xapikey. Et donc avec ce token là, on est censé pouvoir interroger, et donc par exemple le slash tax permet de récupérer les trucs. Donc là, si on contacte le port NR sur son port qui du coup est 19943, user already taken. Oui, non mais ça je sais, c'est pas grave. Donc je suis censé pouvoir faire quelque chose là-dessus. Donc si on fait le flemmard et que on récupère, on va faire ça, pouf pouf, copie, hop, alors nous, son URL c'est, alors déjà c'est du HTTP, il me semble, hein. Ah non c'est du HTTPS, ah oui donc en plus il va falloir qu'on fasse un tiret K, 19000, alors 192.168.1.200.1.201 et donc on est censé ah oui alors par contre du coup en fait ça va faire curl tiret sk tiret h pour header x tiret api tiret key 2 points tout le contenu. Alors, pitié, merci. C'est censé marcher comme ça. Et si on fait un slash stack, donc il est censé nous fournir le résultat avec ça. Bon, bah, il n'y a pas de mystère. On va faire quoi? On va faire ça. Yes! J'ai rien. On va rajouter le i. Je n'ai rien. Pourquoi? Ah, mais là, je suis sur... merde, oui, ok. On recommence. Ah, j'ai un code de retour. Code de retour 7. Si tu veux aller plus loin avec Portainer que la version community, avoir plus de features, tu peux avoir 3 licences gratuites. Oui, alors, vu l'usage que je vais avoir de Portainer, je te rassure. J'ai absolument pas besoin d'aller plus loin. Oui, alors je si t'es arrivé en cours de route, effectivement, au début, on a vu que Portainer pouvait gérer donc du Docker en mono-instance, du Docker Swarm, du Kubernetes, et après, si on paye, on a le droit à Nomad, on a le droit de déployer des clusters, soit sur de l'infra existante via des agents Portainer, je pense, soit sur un service cloud avec 6 providers qui sont fournis. Voilà. Mais bon, voilà, là il est déployé sur mon NAS en fait, sur mon nouveau NAS, et juste parce que j'avais pas envie d'utiliser Docker à la main, voilà, et que je voulais aller un peu plus loin et d'utiliser un truc un peu choupi pour à la fois déployer automatiquement, mais aussi le visualiser à la main, plutôt que juste de faire des commandes Docker directement sur le NAS, parce que c'est pas fou. J'ai fait ça là pendant 2 ans avec un truc qui est complètement dépassé, donc là je peux aller un petit peu plus loin, donc j'en profite. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Ah oui, donc c'est les curl, return code. Parce que le problème c'est que, comment dire? Alors, donc le set c'est cool not connect. Ah! Intéressant. Bah oui, parce que je 19443, je suis con ou je suis con? C'est 19943. Ah bah évidemment, hein, ça marche tout de suite mieux.
Et si je fais... Est-ce qu'il est installé? Ah, il n'est pas installé. Bah alors, Seb. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Donc on a effectivement la stack Minayo. Alors par contre, soit je suis bigleux. Ouais, c'est ça. Ok, je suis bigle. Donc c'est bien ça, cette accolade-là, c'est pour le resource control. Et donc le status, il est là. Ok. Je vais quand même vérifier un petit truc, parce que je suis où sur un... Il est là, mon as. Ok, donc cette fois, j'ai un point minayo.6. Et donc là, j'ai du fichier, j'ai du format de .json. Le format .json, il nous dit quoi? On est en single, version 3, machin. Distribution algo. Ok, donc cette fois on a tout le. Et en fait, dans. Dans les buckets, il y a quoi? D'accord, il y a des trucs par défaut. Ok. Bon, de toute façon, ce qui m'intéressait, c'est que voilà, je voulais m'assurer qu'on ait bien du contenu dans le volume. Ce qui veut dire qu'il a bien été pris en compte. Ça, c'est génial. Ensuite, on avait dit quoi? Oui, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, donc le token fonctionne. Donc déjà, moi j'ai déjà cette première étape-là qui était le plus intéressant. Donc maintenant, une fois que j'ai l'API, voilà. Je fais à peu près ce que je veux. Et si on se... Alors, si je reviens là-dessus, ça va être quoi? Slash API, slash settings. Donc, normalement, n'étant pas administrateur, voilà, donc je me retrouve avec... j'ai bien fait le même truc. Du coup, maintenant, il nous dit, voilà, vous pouvez... Alors, là, il nous dit qu'on peut aller dans slash API, slash endpoint, slash 1, slash Docker. Donc je ne sais pas trop pourquoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était. Donc, on a la gestion des stacks. Le problème, c'est que. Est-ce que. Dans la doc concernant l'API, API documentation, voilà, ça qui m'intéresse. On a la community edition. Et donc là. Ouais, c'est bien ce que j'avais là, en fait, c'est... on a un swagger avec tous les points concernant les API. Et donc, si on va dans les stacks, alors on a quoi? Edge stack? Non, c'est pas ça. On va juste stack tout court. Je crois qu'on n'a pas à s'emmerder. Settings, stack. Alors, on a get stack, on a get stack ID. Donc là, si on veut avoir plus d'informations sur une stack en particulier, donc nous, l'ID, c'est quoi? C'est 3. Ici, donc si je reviens et que je fais ça et que je fais slash 3, normalement j'ai que les détails concernant la stack Minayo. Donc, quand on avait fait le stack complet, on avait une liste dans laquelle on avait toutes les stacks, mais j'en ai qu'une. Et là, si on récupère le 3, on a que l'objet JSON avec plus ou moins, enfin, a priori, oui, c'est ça, on a le même contenu, mais cette fois ça concerne que la 3. Le put stack, ça update une stack. Alors ça fonctionne que si on crée une stack en tant que fichier. Et donc ça, je crois que c'est que si on fait un stack create standalone file. Et on fournit le contenu du fichier là. Alors ici, là, forcément, il me gueule dessus parce qu'il faut se connecter, je sais pas trop quoi.
si on a des variables d'environnement, il faut qu'on les passe là. Pardon. Désolé. Et donc là, ah oui, donc normalement il est censé me... Ok, stack create standalone file, d'accord. Donc là, on est censé lui passer tout ça comme contenu. Et tout ça au format JSON. Ok. Ok, ok. J'essaye de comprendre un petit peu. Hein. Donc là, on lui passe un form data name file type file. Et après, on est censé envoyer le form. Donc en fait, on est censé envoyer du form data. Ah oui, donc nous, en fait, c'est quoi? C'est stack, c'est ça? From text. Standalone script string. Donc là, on est censé passer. Alors, le endpoint ID, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah ok, l'environnement sur lequel on déploie la stack. Donc le endpoint ID... ah donc j'imagine qu'il va falloir qu'on interroge les endpoints, du coup à tous les coups ça va être ça. Si on fait ça... C'est pas long déjà. Hein. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il nous balance d'un seul coup trop d'informations. Voilà, donc il s'appelle local et l'ID c'est 2. Ok. Du coup, si on veut tenter un truc, ce serait un curl-xpost, comme d'habitude, -k, xpost-h, on reprend ça, parce qu'il faut reprendre tout ça. Hop. Voilà. Donc après, on a... Alors c'est là où c'est un peu bordélique quand on le fait via curl. Donc on a dit slash stacks slash create slash standalone. Et après du coup. J'ai du mal un peu à comprendre comment fonctionne le. Le file ici. L'objectif de ce soir, c'est de tenter de déployer une stack Docker.
via l'API. L'objectif à terme qui sera pas atteint ce soir parce que manifestement je suis parti pour pleurer du sang avec l'API comme d'habitude hein, à chaque fois que je me lance vu que je prépare rien. Hop là, pardon. Mais l'objectif c'est de réussir à manipuler l'API. À terme, c'est d'avoir la possibilité de manipuler partenaire à distance pour que je puisse me faire ensuite un pipeline drone où j'automatise le déploiement et la mise à jour de Minayo sur mon NAS à travers drone. Mais là, la première étape, c'est de réussir à manipuler l'API. Parce que vraiment, comme je pars de zéro, voilà, je cherche une solution pour manipuler ça. Drone, alors effectivement, si tu découvres, drone, c'est un... Ouais, pas de souci. C'est un outil d'intégration continue. Qui est souvent déployé à côté d'un Giti. Quand on est en entreprise et qu'on a déjà. Voilà, c'est du CI/CD. Quand on est en entreprise, tout le monde connaît GitLab ou GitHub. C'est des gros services, c'est des grosses installations plus ou moins tout intégrées. Mais quand on n'a pas de gros besoins, on fait comme moi, on s'installe un truc qui consomme 100 mégas de RAM, même pas, pour déployer un Giti. Qui gère des dépôts Git, alors qui depuis très récemment, bon bah voilà, donc tu connais, mais si tu connaissais pas l'outil, voilà, donc Giti c'est une version ultra légère de Forge. Oh, mais je l'ai là-dedans normalement, ça. Si je me démerde bien, oui, alors je l'ai deux fois, je sais pas pourquoi. Ah oui, évidemment, faites de la sécurité, hein. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. J'ai le code. Donc voilà, hein, c'est une gestion de dépôt Git, de projet Git entre guillemets. Et Drone, c'est un outil qui permet de. Je crois que je l'ai appelé comme ça. Hein. Oui, voilà. Qui permet de faire de l'intégration continue à côté d'un Giti. Alors, c'est un peu moins. Alors, si on a déjà tout son setup, etc., et moi j'avais envie de l'expérimenter ce setup-là, donc pour l'instant je reste avec, mais depuis. C'est quoi? Depuis deux releases, je crois, parce que là on est en 1.21. D'ailleurs, je suis pas complètement à jour, j'ai de la petite mise à jour à faire. Depuis la version 1.19, Giti intègre un système d'action qui est particulièrement proche, inspiré et partiellement compatible avec les GitHub Actions. Donc si tu as l'habitude des GitHub Actions, que j'ai pas encore essayé d'ailleurs, un jour je testerai peut-être, mais alors, je sais pas si on peut montrer ça vite fait pour les gens qui découvrent. Tac tac tac. Est-ce qu'on a un... Ouais, starter workflow. Je sais pas, on n'a pas un exemple là vite fait. Crac crac, non, il n'y a pas. Je sais pas, workflow syntaxe, bot continuous, example, voilà, ça ira plus vite. Example, script to test your code. Hop. Ok. Voilà, donc en gros, vous définissez votre job ici, pouf pouf. Et puis après, ils vont faire le boulot. Donc vous définissez les actions, vous lui filez les paramètres, et puis ça fait le boulot. Donc ils ont commencé à. Ils ont commencé à implémenter ce truc-là directement dans Giti. Je testerai peut-être un jour. Pour l'instant, pas trop mon focus. J'étais déjà lancé dans ce système-là parce que bah, l'avantage c'est que vous pouvez installer des runners plus ou moins dans l'environnement que vous voulez en fonction de ce qui est compatible dans les runners drones. Donc moi je me suis installé un runner dans Kubernetes. Bon, par contre ça, bon, je m'étais arrêté là parce que ce truc-là il marche pas. J'arrive pas à remettre le tag là ici avec mon set. Bon bref. Mais voilà, c'est. Tu peux regarder pour la partie CD, Argo CD. Ah oui, en vrai, oui. Peut-être aussi. Mais et ça fait un bout de temps en plus que ça me chatouille. Mais pour l'instant, je voulais continuer à creuser un petit peu ça parce que ça m'intéressait.
Mais pour ce qui est vraiment purement déploiement Kubernetes, c'est vrai que je pourrais me simplifier grandement la vie en passant sur du Argo. Dans un certain futur. D'ailleurs, de toute façon, je crois, il me semble qu'à un moment donné, je me l'étais mis quelque part là-dedans. Oui, voilà, il est là. Donc ça fait partie des trucs que je prévois un jour de présenter en live ou d'expérimenter en live. C'est pas pour tout de suite. Mais voilà, ça c'est pas fini du coup. Hein. Je me suis un peu éclaté la gueule sur le sujet la dernière fois. J'ai un peu laissé tomber, ça m'a un peu découragé. J'ai mis des efforts avec Ansible et des playbooks de base que j'ai fait évoluer. Enfin, faut pas taper trop vite, il manque des lettres. Ouais, ben oui, ben pourquoi pas. De toute façon, il y a 1 million d'outils qui existent pour faire le boulot. Regarde, dans les onglets que j'ai gardés tout à l'heure, là, j'ai potentiellement un petit outil qui est censé me faciliter la vie pour manipuler le. Alors le problème, c'est que j'ai pas de documentation, donc ça m'emmerde un petit peu. En tout cas, très peu. Là, je sais pas pourquoi. Il faut que je sois connecté, forcément, d'accord. C'est vrai que je suis plus connecté à mon compte GitHub, mais pourquoi? Oula, c'est passé, c'est passé. Ok, il me dit que le giste est déprécié parce que on peut plus. D'accord, bon, c'est pas grave. Tac, 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 you can find more about. Ok, d'accord. Ensuite, il y a un espace Slack. Ouais, merci. En vrai, il n'y a plus de. Bon, il n'y a plus de. Il y a beaucoup de façons de faire les choses. Ah ouais, non, mais ça, c'est. Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles j'adore bosser dans ce pan de l'univers informatique, c'est qu'il y a 1 million, on peut apprendre 1 million de choses, on s'ennuie jamais en fait. Et ça évolue tout le temps, un peu comme dans le domaine de la biologie, on apprend en permanence des choses. Ça évolue, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, bon, c'est. Voilà, ça arrive, hein, mais bon. Alors, je suis quand même. Qu'est-ce qu'il nous dit? Paf paf, API, stack, méthode, repository, type 1, endpoint 1, ok. Autorisation bearer, name my stack, stack, repository, URL. Donc ça, c'est si on le fait avec une URL de dépôt, avec une URL de repository. Ouais. Et le chemin du fichier. D'accord. Si je veux le faire avec un truc qui ne soit pas. Et à la fin, on a le résultat avec le nom de la stack. Si on ne veut pas. Éclater la stack. Ouais, gna gna gna, gna. Ok, tac-tac. Donc là, il y a des trucs. Read out the partner version that is running on the system via the same HTTP request method. Ouais. 1.14 API. Ah, changer. Ah, pas de bol. Hop. Alors, tac tac tac, écrit ici des pistons script ou recreate stack. Alors, il nous a fait quoi lui avec ça? Il nous a fait un truc qui ne fonctionne plus, pas de bol. C'est sur un domaine en Russie. En même temps, ça date de 2018, donc je sais pas s'il faut vraiment se. Ah ouais, d'accord. On n'a pas des trucs plus récents là, un peu, histoire de dire. Remote endpoint création, non. Ensuite, on a quoi? Tac tac tac. Qu'est-ce qu'il nous dit que machin, est-ce que je peux modifier l'IP du current endpoint? Donc non, on n'en a pas besoin. Ensuite, tac tac tac, donc là c'est encore pour modifier les trucs. Moi ce qui m'intéresse c'est ça.
Déployer un template, c'est non. Sa série sur ce contrôle. Donc là, ils font des trucs pour créer les endpoints. Ok. C'est un peu énervé. Ouais, mais le problème, c'est que l'API documentation, ils sont gentils, mais voilà. Bonjour, voici quelques. Alors, Docker, Swap, Stack. Ah, de new stack, mais là ils vont nous le faire en mode oui c'est ça, utiliser l'interface. On n'est pas sur la la partie API où on peut avoir parce que c'est gentil la documentation, mais enfin il est beau le swagger, mais j'ai un peu de mal à comprendre le parce que là c'est body, donc on envoie directement le string, mais comment je lui passe le string comme il faut du coup? Si, je crois savoir comment on fait. Ce serait un truc comme ça. Tirer des endpoint ID. Quoique non, parce qu'en fait, il veut récupérer quoi? Il veut récupérer endpoint ID integer. Ouais. Le name, le body. Ouais. Ok. Ouais, le problème c'est qu'il faut que j'envoie ça en mode JSON, donc ça me paraît un peu cavalier comme comme délire. Là, si je reprends les exemples, il avait fait quoi? Ah oui, non, on peut envoyer directement le. D'accord. Name, image, expose port. Ah oui, on peut envoyer directement. D'accord, ok. Donc on n'est pas. Donc on est bien ça. Donc ça va être quoi? Donc endpoint ID. Je reviens là-dessus. Donc nous on a dit que c'était 3. Tiret D. Body. Et là normalement si je fais ça. Body égale. Et là normalement je peux mettre une référence à un fichier. Et là, si je fais ça comme ça, normalement, il est censé le prendre. Mais du coup, on va tenter une dinguerie. Hop. On va reprendre le contenu de notre stack. Hop.
On va l'appeler Minayo 2. Alors là, par contre, pardon, 9000 de l'infil 3, on s'en bat les couilles, hein. De toute façon tout ça, ça va être supprimé. L'idée c'est d'essayer de lui passer le fichier pour voir comment il se passe. Parce qu'en fait, quand on passe la string, c'est comme si on utilisait l'éditeur. Et donc là, on est censé lui passer le contenu du YAML. Donc je suis censé le faire comme ça. Si j'ai bonne mémoire, curl... curl pass content from file. Hop. Si on va faire stack overflow, normalement on fait un post data. Alors data binary, je suis pas sûr que ça passe ça, mais le at, ouais voilà, c'est ça comme ça. Tiret i print out all the headers, oui, ça on a compris. Tac tac tac, tiret tiret. Ouais, le problème c'est que si je mets juste tiret tiret data, ça va pas passer, c'est ça qui m'emmerde. Parce que je veux pas juste passer tiret tiret data, je veux le passer en tant que contenu d'un paramètre. Voilà, et là j'ai file data. C'est ça. Donc là c'est tiret f alors du coup. Donc mon curl, faudrait que je fasse en tiret grand F. Donc là ce serait ça aussi, alors tiret grand F endpoint ID égale 3, tiret F body égale add docker compose.yaml. Donc si je fais ça, c'est censé passer en tant que... Alors non, il faut que je le fasse comme ça, avec des guillemets simples, sinon ça va être Bagdad. Il faudrait que je le passe comme ça en fait. Ah oui d'accord, il faudrait éventuellement que je... Ok. Donc si je le fais comme ça, a priori, par rapport à mon fichier Docker Compose, il est censé le prendre. Donc on va voir ce qui se passe. Alors, curl, il a pas aimé. Qu'est-ce qu'il nous dit ? -f requires parameter. Hein ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Il me fait un retour à la ligne, ce con ? Non, il a vraiment fait ça? Alors, j'ouvre en grand, désolé. Voilà. Ah, punaise, c'est ça. Ok. Il a dû gueuler avec ça. Ou alors, en fait... Ah, mais... Ou alors, si ça se trouve... Il faut que je déplace le... On va le faire autrement. Non, pas comme ça. Contrôle. Non. En mode édition. Contrôle V. Hop. Voilà. Après tout, on est dans Vim. Pourquoi on s'emmerderait? Hop. Voilà. Et ben, il a trouvé le moyen de me foutre un tiret au bout. Voilà. Donc là, si je fais ça comme ça, et j'ai refait la même erreur. Hein. Je l'ai pas modifié dans le. C'est ouf. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Unable to find an environment with the specified identifier inside the database. Bucket égale endpoints, key égale 3. Alors,
Qu'est-ce qu'on avait interrogé dans les environnements? Ah bah oui, évidemment. Je suis con comme un balai, moi, ce soir. Vous allez me dire, ça change pas d'habitude, hein? Ok. Invalid request payload details end of file. D'accord. C'est un fail. Et c'est quoi le problème? Non, invalide request payload. Je m'en doutais que ce ne serait pas aussi simple, mais quel enfer. Pourquoi il me l'a réduit à ce point-là? Oui, parce que j'ai fait le con. Ça, je peux fermer pour l'instant parce que c'était ça. Je peux fermer aussi. Pardon. Heure du souper. Bonne fin de stream. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. À bientôt. Oui, le fait est que je termine dans 20 minutes à peu près. Je vais m'arrêter là, donc je vais pas non, enfin, je vais pas non plus. Ah, par contre, ça m'emmerde là, de finir sur un autre fail. Ça me ferait quand même bien chier. Coche pas que ça me gave un poil. C'est où c'est là? C'est bien le body hein, qu'on passe. Hein. Body, oui, c'est ça. On est censé lui filer le @docker-compose.yaml. Là, il nous dit un machin payload. Alors, est-ce que. Certificat Azustor, on a compris. L'API key, elle est là, d'accord. On a un multipart data. Le problème, c'est que je ne vois pas le. J'arrive pas à voir la gueule de ce que j'envoie exactement. Il va pas me le dire. Non, il va pas me le dire. Vraiment comme ça.
C'est du HTTPS, je vais pas réussir à le choper, ça va me faire chier. Merde. Ah bah non, ça marchera pas, je peux pas le capturer. Je peux pas le capturer, je peux pas le capturer. Pardon pour ce son dégueulasse. Hop, pardon ça. Ça, attends, mais en fait, je fais ça un peu petit en plus à chaque fois. Putain, si c'est pas ça, comment je fais? Si je le fais depuis un file. Alors peut-être qu'avec un file ça passerait, parce que quand on fait au niveau de l'interface, quand on fait un stack, add stack, ouais c'est ça, c'est si je fais upload, là je sélectionne le fichier. Bon, en vrai, hein, on va le faire comme ça. Hein. Alors déjà c'est deux aussi. Et en vrai, on mettrait depuis un standalone file comme ça, et tirer, donc du coup c'est quoi tirer file? Donc il faut le name, le file. Oui, parce que le body c'est body et le endpoint ID il est là. Ok. Donc le file, il lui faut un name, name of the stack. Minio 2 le retour, endpoint 2. Donc là il s'appelle file. Ok. Oui d'accord. Hein. Donc ce serait comme ça. Je l'ai entendu gratter. Je l'ai entendu gratter, ça veut dire qu'il l'a lancé. Oui, créé par drone en mode private évidemment, mais ok, ok. Et donc là, il y a des logs. Bon, forcément, il dit qu'il écoute sur le même port, mais par contre, il a 172.19. 9000, 9001. Ouais, 9002, 9003, on est d'accord, voilà. Ma gueule. Ok, ok. Et donc là, si je me fais un truc à la con type le truc qui sert jamais achat en ligne, et que je fais un 192.168.1.201 et que je vais sur le port 9003. Voilà, voilà! J'ai donc ma méthode pour pouvoir éclater, enfin pour pouvoir interroger ou mettre à jour l'API. Alors ça c'est pour créer l'API. Ça c'est pour créer la stack. Si je veux faire une modification de stack, là, ce qui m'emmerde, c'est que je ne sais pas quoi mettre dans le string.
Donc là, déjà, on voit bien que de toute façon, c'est seulement pour les stacks créés avec des fichiers. Ce qui me plaît bien, parce que le but du jeu, c'est quand même d'avoir ça. Donc là, par exemple, admettons. Alors, je vais aller voir la gueule de la stack déjà parce que. Stack, Minayo 2, et si je vais dans l'éditeur, je vois bien les 9002, 9003 avec machin, le console adresse en 9001 parce que ça c'est à l'intérieur du port. Et avec le share Docker Minayo 2 data. D'ailleurs, il a démarré, il m'a créé le dossier comme ça lui. YOLO, le truc n'existait pas. Ok, d'accord. Bon, bah, je n'ai même pas à m'emmerder. En fait, il crée les volumes pour moi s'ils n'existent pas. Là, tout à l'heure, j'avais créé le dossier à la main. Mais c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ça veut dire qu'il faut que si je mets à jour, il faut que je mette à jour tout le contenu du string. Donc là, admettons par exemple que je dise que je veuille modifier les ports. Modifier les ports, on va reprendre. Donc là, on va mettre un put. Alors, je vais déjà modifier le fichier. Le Docker Compose. Et admettons qu'on veuille que ce soit 9004 et 9005 à la place. Je reprends mon curl. Si je fais un put. Alors, dans le put, il faut faire quoi du coup? Par contre, il nous faut l'identifiant de la stack. L'identifiant de la stack, on l'a eu, c'est 4. Donc l'identifiant de la stack, il faut le passer en paramètre. Donc ça va être tiret -f. Il s'appelle ID égale 4. Donc là, on enlève le name parce qu'on n'en a plus besoin. Le endpoint ID, on a besoin, c'est toujours 2. Et juste le body. Alors par contre, il nous dit application JSON, moi je l'ai passé en YAML et c'est passé. Hein. Rien à foutre. Je sais pas pourquoi, mais rien à foutre. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai fait tirer F et qu'il a pris automatiquement un truc en JSON. Donc le stack identifier, l'environnement identifier, le body. Donc là, on le tente. Alors du coup, ah oui, alors du coup, c'est pas dans API create. Oui, c'est dans stack. Il faut que je repasse l'ID. Alors, je fais un stack ID. Alors, ça, par contre, ouais, c'est un truc de ouf. Je modifie. Donc là, je mets stack 2. Alors, c'est stack 4, on a dit. Hein. La stack 4, il faut que je remette l'ID égale 4 dans le. Putain, c'est chelou, ça. Invalid request payload. Évidemment, ça pouvait pas marcher, là. Mais quel enculé. Oh, ça pouvait pas être si simple que ça. Oui, parce que là, il s'attend à body et que j'ai continué à mettre file. Hop. Bah non, c'est la même. Ou alors là, du coup, il s'attend à avoir du JSON, mais le problème, c'est que moi, je lui passe un contenu en mode fichier, donc j'ai du mal à. L'alternative, ce serait de passer avec Git et de forcer un redéploy. Git config for pull and redeploy. Ben, le git config, ça va être.
J'adore le example value string. Example value pour moi c'est une URL, mais putain c'est terrible ça. Quoi cette doc de merde? Invalid request payload. Alors du coup, ah bah peut-être que Portainer peut nous répondre là-dessus. Container, Portainer, du coup, parce que c'est son API. Ils sont où les logs? Non, c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Auto-refresh, merci, pitié. Display timestamp. Non, le dernier truc qui nous a gueulé dessus, c'est les erreurs de... Ça, c'est le démarrage. Mais on n'a pas les logs de l'API. Ah, c'est un bonheur, ça. Bon. Eh bien, je pense que je vais m'arrêter là. Malheureusement, c'est un simili échec. Bon, alors je pense que le delete, on peut le faire comme ça. X delete. On va virer le -f machin stack 4. Ça va marcher. Oui, ça marche. Ça marche, ça marche. Refresh. Minayo 2, virer, volume, il n'y a plus. Est-ce que sur... Ah, part, tiens, est-ce que le volume, il est bien supprimé, là? Ah, il ne me supprime pas, le volume. D'accord. Ok. Ok. Je note. Ça m'énerve, je sais pas quoi mettre en fait dans le fichier, dans le string là, à chaque fois je sais pas quoi mettre. Genre là, git config for pull and redeploy. D'accord, peut-être, mais. Parce que là, quand on crée. Et là, il nous met stack config. Vous voyez, c'est à peu près quand on fait un créer depuis un repository. Alors du coup, si on prend l'interface, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait un stack create repository, on est censé mettre l'URL, la référence, mais le chemin vers le fichier. Alors ça, a priori, il me semble qu'on avait un... On n'avait pas un exemple à la con comme ça où on avait vu qu'il balançait tous les trucs. Non, ça je ferme parce que ça marche plus. Ça je ferme. Ça je ferme aussi. De toute façon, on va arriver au bout là pour ce soir. En fait, ce qui m'emmerde, c'est qu'il me manque énormément d'infos sur comment. Ah, alors là, with rename automatic updates to better align. Ouais, mais en fait, ça change rien. Mon problème de base, il est que si on crée un repository, on est censé mettre un body là-dedans, et le body, je sais pas ce qu'on est censé mettre dans le body. Voilà, voilà. Si je suis joueur, je peux tenter de m'amuser avec le formulaire pour voir...
ce truc là. Input placeholder value. Classe égale forme contrôle, mais on n'a pas le nom du. On n'a pas le nom du truc. C'est un bonheur ça. Bon, ça c'est du logo. Putain, la violence quand même. C'est du React, ok, je comprends mieux. Ça aurait été bien qu'on ait des vraies informations de formulaire là-dedans. En plus, là, si jamais on a de l'authentification, pour le Git Repository, je sais même pas comment on passe tout ça à l'API de partenaire, quoi. C'est vraiment... Oh, ça pourrait être bien meilleur, cette histoire. Ah bon. On a fait la moitié du chemin. Non, plus de la moitié. En vrai, on sait configurer un utilisateur, on sait contrôler son token, on sait... et on a vu que c'était simple de commencer à manipuler l'API, y compris avec un truc aussi simple que curl. J'exclus pas de... continuer à chercher. Alors, ce week-end, je sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais à chercher d'autres options pour manipuler l'API qui seraient moins problématiques, ou à essayer de trouver un peu plus d'informations ou d'utilisation d'exemples d'utilisation du monde réel pour pas me taper ce genre de conneries. Voilà. Parce que là, j'avoue que je pète un câble, quoi. C'est-à-dire que on utilise le même fichier pour faire à la fois la création et la mise à jour. Ça marche pour la création, ça marche pas pour la mise à jour. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà. Je suis... Là, pour le coup, ça me dépasse. Pour le coup, ça me dépasse et je pense que je vais arrêter là. Enfin bon, en tout cas... on va revenir là-dessus. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait attention, hein, mais... Le t-shirt le disait bien. Hein. Voilà. Pas aujourd'hui, toujours pas. voilà. Donc, tu parlais au bout, mais on approche. Est-ce que je referai un épisode là-dessus? Peut-être pas. Peut-être pas, parce que cette fois, je suis à deux doigts d'avoir un Minayo qui fonctionne. Et je vous jure que je suis pressé d'utiliser le Minayo parce que j'ai d'autres sujets sur lesquels je veux avancer. Au niveau de Kubernetes, pour commencer à parler outillage. Pourquoi? Parce qu'on va pas se mentir, actuellement, mon cluster Kubernetes, il est à poil. Quand je dis à poil, c'est que je n'ai aucune gestion de logs. Donc je perds un conteneur, je perds les logs. Je perds un nœud, je perds ses logs, parce que je peux pas accéder aux nœuds. J'ai zéro monitoring. Ça, c'est un autre sujet sur lequel il va falloir qu'on travaille. Parce qu'il y a des choses qui me chatouillent doucement dans Prometheus, qui est l'outil le plus utilisé et en vrai que j'ai envie d'utiliser. Donc oui, voilà, donc par défaut, voilà, je n'ai pas de monitoring et je cherche à déployer. Il va falloir que je déploie du monitoring.
j'ai envie d'apporter mon point de vue sur le sujet parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas dans des déploiements classiques de Prometheus notamment. Et il va y avoir un autre sujet aussi. Alors en vrai, je sais pas si je vais prendre le temps de vous présenter ça en live, mais il y a quelque temps j'ai réellement pu mettre les mains dans Cilium et j'avoue que ça m'a beaucoup plu. Donc je pense que le Calico qu'on avait Calico qu'on avait déployé comme gestion de réseau dans mon cluster va être remplacé par Cilium que je veux déployer en mode BPF et pour vous montrer un peu ce que ça permet de faire. Or, pas forcément très poussé, mais comprendre pourquoi il a du succès. Il a du succès pour ses performances, il a du succès pour ses fonctionnalités, notamment d'observabilité réseau. Et j'ai eu l'occasion de le tester vite fait en me faisant un petit truc à la con en Python un lundi matin au boulot. Donc je me dis que voilà, je pourrais vous présenter le résultat une fois que j'aurai fait la migration. Et oui, donc pour revenir du coup sur le sujet des logs, j'ai découvert que je pouvais déployer le Loki pour qu'il stocke les logs dans Minayo. Donc ce qui m'intéresse beaucoup, parce que l'idée c'est d'avoir un stockage qui soit en dehors du cluster, où je peux idéalement, from Québec ici aussi, je vais avoir une population encore plus québécoise que française. Ah là là. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est un public. C'est tout ce que je demande. Donc je disais... oui, donc voilà, un des problèmes que j'ai à déployer de l'outillage dans mon cluster cube, c'est que c'est un outillage qui permet de regarder son état de santé. Le truc, c'est qu'à chaque fois que... Si ça déconne, l'outillage n'est plus disponible. Donc il faut que les informations... voire peut-être les outils, tout simplement, soit le plus possible déployé à l'extérieur du cluster, pour que je puisse accéder au contenu, même quand le cluster est, dans le pire des cas, complètement indisponible. Donc le stockage des logs de Loki dans Minayo est très intéressant là-dessus, parce que je peux envisager, par exemple, d'avoir le Loki déployé en dehors, tout simplement, du cluster, d'avoir juste Promtail le déployer dedans, qui va aller me pousser les données dans un Loki qui serait déployé à côté, mais dont le stockage, lui, est sur un autre service encore. Et là, en l'occurrence, ce sera le Minayo qui sera sur le NAS. Faudra que je refasse un schéma là-dessus, là, je vous cache pas que je suis un peu... Enfin, il est un peu trop tard pour que je fasse ça maintenant. Mais je représenterai ça quand j'attaquerai plus sérieusement. Et parce que du coup, en fait, au final, le fait de déployer le Minayo via Portainer, c'est déjà, de toute façon, je savais que ça allait être facile et relativement... que c'était du quick win. Le gérer de manière automatisée via l'API, bon, c'est un demi-succès slash échec, parce qu'on arrive à créer, mais on n'arrive pas à mettre à jour. Notamment parce que le Swagger, il est quand même à moitié mal foutu, parce qu'on sait pas quoi mettre comme contenu à chaque fois dans les paramètres, donc c'est un peu dommage. Mais on verra comment ça se passe. Pour ceux qui ont raté le début, bah le replay va rester pendant une semaine. Alors ce que j'essaye de faire maintenant, c'est d'essayer de publier le plus vite possible le temps fort qui correspond à la vidéo pour qu'il reste plus longtemps sur Twitch, et je dépublie la vidéo originale. J'ai l'impression que c'est un petit peu bizarre la façon dont ils gèrent ça côté Twitch, il y a du délai assez fort. Sinon, normalement, si tout se passe bien, le replay sur YouTube ce week-end aussi. Ouais, j'allais y venir justement, c'est que j'ai sur la chaîne YouTube... Alors c'est vrai que je publie pas les liens, alors du coup, il faudrait que je me remette sur le code du bot Twitch, du bot pour le chat Twitch qu'on avait fait sur un des premiers lives. Putain, ça remonte.
Desktop, si je reviens dessus. Alors, c'est pas la bonne fenêtre. Hop. Tac. Tac, tac, tac. YouTube. Alors, j'ai mis quoi? Seba 666. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai même commencé à faire des miniatures maintenant. Je commence à maîtriser le sujet. Donc j'arrive à balancer des vidéos, voilà. Donc généralement, en fonction du temps que ça prend, ça peut être dispo soit demain après-midi, soit dimanche, voilà. Alors je sais pas est-ce qu'il va gueuler du fait que je mette le lien directement là, voilà, comme ça vous n'avez pas besoin de... Hop. Je mets le lien dans le chat. Pour ceux qui regardent le live, c'est petit quand même. Ça fait partie des trucs. À un moment donné, je me dis que je vais me faire genre un week-end qui ne sera pas fait comme un autre. Je ferai un stream dédié bidouillage de configuration d'OBS pour modifier les scènes plus ou moins en direct pour. Pour essayer d'améliorer les choses, bah, puis pour mettre à jour, parce que voilà, c'est les scènes d'origine depuis le début. C'est le même fond d'écran avec la tablette de chocolat que je changerai bien. Revoir un petit peu un truc, avoir peut-être un vrai overlay, des vraies scènes avec un peu de graphisme. Après, je suis très mauvais en graphisme, hein, y a qu'à voir la gueule des miniatures. Mais voilà, donc ce week-end, je sais pas quand exactement, mais ce week-end, le replay sur YouTube, le replay étant fort de Twitch, je vais le bricoler là juste après avoir coupé, comme ça il le fera direct pour d'ici demain matin. Et la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, normalement en termes de planning. Je suis censé pouvoir faire un live puisque je dois partir que le lendemain matin. Il me semble que j'ai fait ça parce que le week-end prochain, on a un week-end de 3 jours. Hein. En tout cas pour les Français. Puisque le lundi est férié. Et du coup, je retourne voir ma petite maman. Mais je vais partir que le samedi matin, comme ça, le vendredi soir, on aura le live. J'ai pas encore de sujet prédéfini. On verra. De toute façon, entre tous ceux qui sont là dans la file d'attente, qui sont pas finis, qui sont plus ou moins avancés, pas du tout. Le Minayo, c'est à moitié fait. L'argot, on l'a pas encore abordé. Le Fresh RSS, j'ai toujours pas fini, parce que ça, j'ai un problème avec le passage de variables. Le stream setup, ça, c'est donc ce dont je parlais. Donc ça, c'est le genre de... C'est des streams supplémentaires que je pense faire. Soit le week-end, parce que souvent, là en ce moment, en fait, le soir, je suis tellement déglingué que je repose. Donc du coup, ce serait plutôt le week-end. Pas ce week-end, je pense pas. Ça me... Moyen, mais voilà. Donc après, la migration SQLite, alors ça c'est pareil. Quand on va casser le Gitty pour avoir une vraie base de données, mais il faut que je refasse mon déploiement de MySQL avant. Que j'ai juste déployé ça à l'ASBL. Et ça, c'est un autre sujet aussi qui viendra dans Kubernetes un jour. Ouais, OpenTelemetry. Bah, le fait est que moi, au travail, j'ai eu l'occasion, alors soit dans mon ancien job qui était chez Accenture, un Link by Net Accenture, d'utiliser Datadog chez certains et Dynatrace de l'autre. Ça, c'est la Rolls de l'observabilité pour les applications. Et maintenant, on a OpenTelemetry qui est un standard ouvert et qui, sur le papier, permet d'apporter le même un niveau proche de qualité et d'introspection avec des outils open source. J'ai vu passer Grafana Tempo, et donc j'ai envie de m'intéresser aussi un petit peu à ça.
On va commencer déjà par avoir du monitoring et des logs avant de rajouter les traces. Comme ça, on aura le fameux triptyque de l'observabilité moderne que tous les CREux vont vous vanter. Donc on va le faire dans l'ordre, on va déjà avoir les logs. On va s'occuper des logs, du monitoring, des métriques, et après on s'occupera des traces. Voilà. Donc ça viendra dans un troisième temps. Et on a déjà du boulot avant. D'ailleurs, tu vois, la partie monitoring et log, elle est même pas là-dedans. En plus, je les ai même pas fait. Voilà. Donc, sur ce... Je sens que je vais pas tarder à aller m'imprimer dans mon lit, moi. Il est grand temps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Quelle heure il est ? 23, moins 6, 17. C'est ça, hein, je sais compter. Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc il est l'heure du goûter en plus, là, au Canada, actuellement. Donc... la soirée est même pas encore 18. Ok, 18. Ouais, c'est vrai qu'entre les heures d'hiver, heures d'été, c'est plus 6, plus 7 heures, plus 5 heures, on sait plus trop à force. Donc voilà, bon, en tout cas, oui, c'est vrai que la soirée commence à peine chez vous. Ok. Sur ce, bonne soirée. Bonne nuit pour ceux qui sont en France. Bonne nuit encore plus loin pour ceux, parce que je sais que de temps en temps, des fois, j'ai des anciens collègues de l'île Maurice qui passent. Alors là, voilà, donc eux, on est en plus 2, plus 3. Donc là, pour eux, il est déjà 1h du matin. Donc, je pense qu'il y en a qui tiennent pas jusque-là et qui vont se coucher avant. Ils ont bien raison. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.